Eh bien, depuis quelques temps, une à deux fois par an, nous avons le plaisir de voir arriver sur nos tables un nouveau livre d'Eri De Luca, auteur italien qui a une immense popularité en France et qui m'évoque un peu dans sa manière de travailler et puis ses livres assez courts, qui m'évoque un peu Christian Bobin. Alors, celui-ci s'appelle Impossible. Il raconte une histoire magnifique qui commence dans la montagne sur un chemin des Dolomites. Deux hommes, le premier tombe dans un ravin et on se demande si ce n'est pas le deuxième qui l'a poussé. Et en fait, on découvre que ces deux hommes se sont connus autrefois et que celui qui vient de dévaler dans le ravin était peut-être celui qui avait dénoncé le premier à l'époque des années de plomb. C'est aussi un retour sur l'Italie de ces années dures, des années 76-78, des Brigades rouges, que nous raconte Eri De Luca avec toujours cette langue et cette écriture magnifiques.